Dispatch, this is 504. He got away. Over. Roger, 504. Apprehend him. Salut les flippés, journal du flip un peu spécial. Je vais vous montrer l'installation d'une carte PinSound avec son kit enceinte sans faire dans le détail. Juste la mise en place et le rendu sonore. On câblera proprement plus tard. Pour l'instant, on écoute quelques sons d'origine du flipper. Nice wheel. Le colis est arrivé à bon port. D'ailleurs, je remercie Baptiste, Vincent et Ludovic pour son acheminement. Ils se reconnaîtront. Allez, c'est parti, déballage. Carte PinSound. Un subwoofer qui est franchement de belle taille. Les enceintes ainsi que le câblage, une clé USB, bon ça on y reviendra un peu plus tard, et bien sûr les notices pour installer tout ce beau monde. Allez, c'est parti, on ouvre le fronton pour installer cette carte PinSound. La carte est livrée avec des adaptateurs de support qui serviront pour certains flippers comme les WPC DCS par exemple, Corvette, Théâtre of Magic, Shadow, etc. Le Gateway étant un WPC 89, tout comme le Doctor Who, Dracula ou Famille Adams, eh bien on se passera de ces supports car ceux d'origine correspondent en tout point à ceux de la carte PinSound. Une fois installé, reste plus qu'à câbler. Je vous conseille d'utiliser la notice, on ne sait jamais. Maintenant, on va installer la clé USB. Pensez à prendre une clé à transfert rapide, 130 mégas par seconde en USB 3 fera très bien l'affaire, pour que l'action s'accorde avec le son le plus rapidement possible. Inutile de prendre de grosses capacités, avec 16 Go, vous pouvez mettre déjà pas mal de mix. Au démarrage, vous entendrez une série de bips entrecoupés par une petite musique qui vous confirmera que votre carte est bien en fonction. Plus il y aura de mix sur votre clé USB, plus il y aura de bips au démarrage le temps de charger tout ça. Avant de lancer une partie, on va s'occuper de l'installation du kit enceinte.
dessoude proprement les enceintes, je laisse le câblage dans le fronton, au cas où un jour il me viendrait l'idée de tout remettre d'origine, ça sera plus pratique. Tout a été très bien pensé, des adaptateurs sont disponibles dans le kit pour réutiliser les pas de vis d'origine et de ce fait ne pas dénaturer le panel en créant d'autres. Remarquerez que l'enceinte de gauche n'a pas besoin d'adaptateur étant de la même taille que l'enceinte d'origine. Le câblage est très simple d'installation. Les câbles sont nommés droite, gauche pour le panel et centre pour le subwoofer. Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms, this is home where we are. La fiche Molex viendra se mettre dans l'emplacement prévu à cet effet. Allez, maintenant on passe à l'installation du subwoofer. Et voilà, une fois le sub installé, on peut refermer la caisse et entrer dans le vif du sujet. On va voir ce que cette carte nous propose. Bon, on a déjà un très bel éclairage des différents potentiomètres qui nous serviront à régler la partie caisse, le volume du sub, ainsi que l'intensité des graves et aussi bizarrement celui des aigus. Sur un sub, c'est un peu étonnant, mais bon, ça fonctionne. Et bien sûr, ceux destinés au panel, balance, gauche et droite, aigus et graves. Des petits interrupteurs sont dispos sur la carte pour ajouter encore plus de graves avec la fonction loudness et aussi mettre le son en mono ou en stéréo. Bien sûr, on va préférer l'option stéréo. Après les bips répétitifs du démarrage, on va choisir quel mix on va utiliser pour notre partie. Pour cela, on va choisir avec les boutons volume qui se situent au niveau de la porte. Vous baissez le son jusque 0, puis vous appuyez une nouvelle fois sur le moins. Un son se fait entendre, ce qui valide un mix. Pour passer au mix suivant, appuyez sur le moins une nouvelle fois.
Une fois le mix choisi, remettez du son avec le bouton plus et c'est parti, vous pouvez jouer. M'amuser un peu, j'ai créé un mix années 50 à 70 juste pour le délire, ça m'éclate. C'est parti, musique. Thank you.
Nice car.